Et si depuis le début, tout était lié? Oui, c'est même évident. Car depuis que cette aventure a commencé, il n'y a que des indices disposés un peu partout. Il faut juste remonter le temps. La première chose que j'ai constatée à mon arrivée dans cette dimension, c'est que ma montre était le centre de pas mal de choses. Premièrement, beaucoup de monde savait que je débarquerais ici. Pourquoi ? De ma dimension, j'avais envoyé un message au Torchwood d'ici. À ce moment-là, Mr. Johnson a accepté de m'aider si je leur donnais un coup de main pour leur mission, grâce à l'une de leurs machines permettant de téléporter ma montre à eux. Mais alors que j'ai commencé à me faire téléporter, le gardien des dimensions a intercepté ma montre et m'a laissé en plan dans le vortex. Ce qui veut dire qu'il savait que je viendrais, à ce moment précis. Mais une fois de retour chez lui, il s'est fait poursuivre par le cyborg qui savait qu'il aurait la montre. Et durant une course-poursuite, le gardien des dimensions a percuté Alexis et a fait tomber la montre par mégarde, juste avant de se téléporter en sécurité. Ensuite, Johnson et Jack sont arrivés pour reprendre la montre. Alexis ne les a pas cru et a préféré fuir. Et enfin, m'a fait sortir du vortex en ouvrant la montre par accident. Donc, le gardien des dimensions savait que je me téléporterais à ce moment-là. Et notre ennemi savait qu'il aurait intercepté la montre. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais oui, bien sûr. Ça y est, je comprends tout. Cette alien savait que je viendrais ici. Et donc mon jeune bras droit a payé ce type pour aller m'intercepter. Mais quand il a compris que ce jeune homme avait de mauvaises intentions, il a préféré garder la montre plutôt que la donner au cyborg. Et c'est pour ça qu'il s'est fait poursuivre, et qu'il m'a libéré si facilement. Mais du coup, cet alien connaissait le futur, s'il savait que je traverserais les dimensions à ce moment-là. Et je connais qu'un être pour en faire cela. Un être créé par un homme, par un vieil homme aveugle, qui était lui-même devin. Oui, je connais cette histoire depuis que je suis tout petit. L'histoire où ce vieux fou mélangea l'ADN humain et alien pour créer son enfant. Un enfant surpuissant pouvant maîtriser le tonnerre et pouvant voir rarement le futur. Cette chose s'appelait Xavar. Et après avoir vu la folie humaine en 1984, il décida de se révolter de son créateur. Et maintenant, il a créé des cyborgs et fait un pacte avec le fils d'une grande entreprise fabriquant des portables. Et depuis cette époque, tous les iPhones et grandes marques possèdent une puce pour détecter n'importe qui. Et Xavar a juste besoin de ma montre temporelle pour lancer une puissante décharge électrique à travers tous les portables possédant cette puce pour anéantir plus de 80% des êtres humains au monde. Son plan était prévu depuis le début. Transmets ces quelques mois de justice. Il a vu le futur. C'est pour ça que ce petit riche a dit ça à Alexis. Parce que je suis destiné à mourir. Hein ? Vous faites quoi ? On vous attend depuis tout à l'heure. J'ai réfléchi. Je crois savoir qui est l'alien, d'où il vient. Et quelles sont ses attentions? Je vais devoir vous laisser. Hey, mais attendez, faut surtout pas qu'on se sépare, vous vous souvenez? Ne vous inquiétez pas, je reviens bientôt. Oui. Alexis ? Oui, c'est ça. On se connaît ? Vous êtes en grand danger. Il faut que vous acceptiez mon aide. Mais je vous connais même pas. Et puis je vois pas pourquoi je vous ferais confiance. Si vous n'acceptez pas, un de vous quatre mourra. Une aide ? Mais quelle aide ? Vous êtes aveugle. Ne posez pas trop de questions. Si vous l'acceptez, je vous enverrai mon bras droit. Il saura vous aider. Mais qui êtes-vous à la fin ? Je suis devin. Et je sais ce qui va vous arriver. Laissez-moi tranquille.
Vous regretterez de ne pas m'avoir écouté. C'est vous le brave l'alien, non? Pourquoi? Ça vous surprend? Un peu. À mes yeux, vous n'êtes qu'un gamin. Justement, qui soupçonnera un gamin? Intelligent. J'ai installé une option taser sur mon manipulateur vortex. Et il est destiné pour l'alien, votre boss. Où il est? Il vous attend dans la vieille église abandonnée. Au cas où vous réussissiez à me battre. Et voyez-vous? J'en doute. Vraiment? Vous en êtes si sûr? Mais je sais que contrairement à votre père, vous n'avez pas plusieurs vies. Une balle dans le crâne et vous êtes mort. Pas le droit de m'enfermer ici! Je vais me gêner. Et pas trop tard pour vous vaincre.
Il est temps de régler nos comptes. Zafar. Ça fonctionne mieux que ce que je pensais. Non, je peux pas faire ça. Même un ennemi, je peux pas tuer un être vivant. Vous croyez tirer d'affaire, mais mon équipe vous retrouvera et vous éliminera. Vous ne mettrez pas votre plan à exécution. Jamais. Jamais, vous m'entendez ? Thank you.
John Smith. Tout va bien? Il est mort. Et il est mort comment? L'alien l'a tué. Je ne sais pas comment. Quand je suis arrivé, l'alien était parti et John Smith était mort. Et sinon, vous savez où elle est la montre temporelle? Je l'ai fouillée, mais la montre n'était plus sur lui. Il est possible que l'alien en ait pris possession. Mais si l'alien a récupéré la montre, va-t-il pouvoir mettre son plan à exécution? Eh oui. Bon, il faut qu'on se ressaisisse. On n'a pas le temps de pleurer la mort de John Smith. Bon, vous êtes de Torchwood, oui ou non? On est là pour réussir et vous êtes là pour ça. Si t'as quelque chose à proposer, on t'écoute, hein. Oh, mais je sais pas. Mais faut pas désespérer, on y arrivera jamais sinon. Ouais, t'as pas trop tort. Faut qu'on trouve une stratégie. Très bien. Et alors, est-ce que vous avez des idées? Je sais. Le tournevis de John Smith? Mais vous voulez faire quoi avec? John Smith nous a bien dit que le tournevis sonique était lié à la montre temporelle. Si nous l'activons, nous avons peut-être une chance de retrouver la montre. Et l'alien par la même occasion, effectivement. Mais comment on va le battre? Sachant qu'il a des cyborgs avec lui et que la dernière fois ça s'est plutôt mal passé. Eh bien c'est là que j'interviens.